les gars, c'est James Geno pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo où ça, je vais vous montrer comment Casillas tout. Oui, je sais, certains vont me dire Casillas, il est petit, trop petit, t'aurais jamais dû le prendre. Oui, je sais, moi je l'ai pris parce que j'avais envie. Chacun fait ce qu'il veut. Et puis, je vais créer de. Vous allez vous dire, ouais, qu'est-ce qu'il dit? Lui, il dit des conneries. Avant, il y avait la rébellion avec tous les Donnarumma. Ouais. Toutes les équipes, il n'y a que des Donnarumma, des Popé, des Courtois, les meilleurs gardiens du jeu, oui, peut-être. Mais Courtois, Casillas, il en fait partie, les gars. Il est peut-être petit, mais comme Gros Chateau a dit, il n'arrête pas les ballons avec ses pieds. Avec sa tête, avec ses mains. Il s'est plongé. Du coup, là, je vais créer une rébellion. Ceux qui sont avec moi pour Casillas, qui peut devenir un meilleur gardien, dites-moi en commentaire, comme ça je sais. Moi, je vais garder Donnarumma. Casillas, parce qu'il a 127 ans de détente et c'est pas rien pour un gardien. Moi, il est bon. Du coup, on va directement faire un gameplay. Je vais jouer contre Gros Chateux. Gros Chateux, ne rejoue pas l'autre match parce que ça a rien. C'est juste que je me suis dit, je vais pas prendre Martin qui a 127. Je vais prendre une plus petite équipe que moi pour être sûr de pouvoir avoir beaucoup d'occasions. Il montrait Donnarumma. Casillas, excusez-moi. Oui, venez. Il dira, oh, regarde, il arrête pas ce ballon là, oh, regarde, il arrête pas ce ballon ci. Mais il y a plein de gardiens qui arrêtent pas certains ballons. Sinon, tout le monde prendrait, par exemple, si Donnarumma arrêtait tous les ballons, n'importe quel ballon, n'importe quel moment et tout, tout le monde le prendrait et il serait sûr de jamais perdre les matchs multi-attaque, vous voyez. Du coup, un gardien, ça tout une faille, ils sont tous en crise. Du coup, je vais vous prouver que. Il est fort, regardez là, d'habitude quand je tire de là, il. Ah mince. Tac, là je vais passer direct et je tire. On va voir. Bah là c'est but. Ça arrive. Je vais tirer de là, d'habitude je la marque tout le temps. Ah merde. Tac. Oh. Là de là, normalement il l'a pas. Eh ben il l'a les gars, c'est. Il est pas si mauvais que ça. Il a une tête, la frappe, la tête, non. Ok. Du coup, les gars, regardez, hop. Ah merde. En multi-attaque, il va en arrêter plus. Là, oui, vous voyez, vous dites, ah, il arrête rien et tout. Mais moi, je dis, il va en arrêter. Hein. Là, il a arrêté, c'est normal, je fais exprès. Mais. Là, de là, si on fait un tir de là, regardez, il l'arrête quand même. Et là, si je retire avec best, hop, là, en arrêt. Et là, regardez, là, il bute, mais il avait fait deux arrêts coup sur coup, il a bam. Nagajima, mince. Là, regardez, Sancho. Boum, petite balle, tac. Oh merde. Boum. D'habitude, les gardiens, ils sont capables de laisser passer une petite balle comme ça. Du coup, c'est déjà ça. Un corner, on va voir. Sinon. Frappe de loin. Ouf. Il y était presque. Finesse. Oh, il l'a eu, super. La finesse. Et oui, c'est pas le meilleur gardien, je le vois là, mais c'est quand même un gardien très très fort. Regardez, là, il l'a eu. Boum. Ah, je vais tenter. Le balle piqué, voilà, il l'a eu. Une deuxième, non. Tac, là, de là, est-ce qu'il l'a? Oui, super. Oui, il s'est fait encaisser beaucoup de buts là, oui, je sais. Ah là, c'est un super barré. Mais bon, moi je le garderai, je le trouve bon. Si vraiment je vois que dans le PETM, je me fais encaisser trop de buts parce qu'il est trop mauvais, je vais peut-être le changer, je sais pas encore. Normalement, je le garderai toute la saison. Parce que là, c'est mauvais parce que hier, j'ai fait un match avec lui, il était vraiment fort. Hein. Et là, ouais, ça c'est. C'est pas possible. Ah bah les gars, vous allez peut-être dire, oh il est mauvais, t'as vu, non, bah les gars, un gardien n'est pas le meilleur. Hein. Maintenant on va faire un match contre un Donnarumma. Je vais essayer de trouver un Donnarumma. Je vais faire la même frappe et on va voir si. Voilà, Milinkovic-Savic. On va tester Milinkovic-Savic. Coup de drame si tu regardes la vidéo. Ouais.
Ça sert à rien de refaire un match contre moi, de toute façon je les mettrai déclarer à forfait après. Du coup, ouais. Du coup, j'en ai marqué 14 à Casillas. Maintenant, on va regarder. Tac, Nagajima, il tire. Voilà, regardez, là. N'importe quel gardien, hop, là, de là, on va mettre. Boum. Là, de là, il aurait dû l'arrêter, le ballon. Quand même, c'est normal, les gars. Excusez-moi, les gars. Regardez là. Tac, la tête. Hop, il l'a pas eu. La Nagajima. Ça, c'est normal, en vrai, ouais. Tac. Ensuite, on va mettre là pour. Hop. Je vais tirer, normalement, il doit l'arrêter. Et pourquoi il l'arrête pas, les gars? C'est le meilleur gardien? Oui, waouh. Là, il pourrait l'avoir, non? Il l'a pas eu. Ensuite, là. Finesse. Est-ce qu'il l'a? Si, il est grand, du coup, c'est un peu normal qu'il l'a eu. Là, Nacho, une tête. Tête Ramos, bien, il l'a eu, tu vois. Il est bon, ce gardien. Là, je vais remettre une balle, hop. Ouais, aussi, c'est la taille. Il est grand, du coup, il arrive à l'avoir, mais. De toute façon, Casillas, je le garde en équipe. Hop. Allez, fin de Hierro qui est très très bon quand même. Hop. Tac, tac. Et là, Nagajima, il va tirer. Non, il y a aussi le défenseur qui a sauvé. Non. C'était possible que ce soit but. Là, on a dû. Ah, oh, bah il l'a pas eu. Comment ça se fait, les gars? Oh, ouais. Il l'a arrêté, c'est bien lui. Du coup, d'après vous, Milinkovic. En vrai, vous, d'après vous, si Milinkovic-Savic est meilleur, prenez Milinkovic-Savic. Si Donnarumma est meilleur, prenez Donnarumma. Prenez le gardien qui vous plaît. Moi, Casillas, je l'ai pris. Parce que je le trouve bon. Si, même si c'est ça, c'était. C'est IRL, du coup, c'est la réalité et tout. Et je dis que. Allez. Donnarumma, comme Casillas, il a joué au Real et tout, et si il a eu plein de trophées, il a été même à un moment le meilleur gardien du monde, que c'est pas pour rien, c'est pas parce qu'il est nul. Du coup, moi je l'ai pris parce que je le trouve bon. Mais bon, si vous dites qu'il est pas bon, c'est votre choix, chacun son choix. Si vous préférez prendre un. Je pourrais prendre. Je sais pas. N'importe quel joueur, n'importe quel gardien, prenez le gardien que vous voulez, quoi, pour toi ou quoi. Les gars, regardez-lui. Il a eu Nakata, le mec. Le mec, il a mis de l'argent pour prendre Nakata. Et il a Roberto Carlos, il a deux icônes Prime. C'est énorme, les gars, vous trouvez pas? Oh là là. Dans le défi Tots, ceux qui me demandent encore. Qui vas-tu faire? Qui vas-tu faire dans le défi touch? Je vais faire personne. Je garde tous mes points. Là, je suis à 2400 pour reprendre les joueurs de Liga. Là, j'en suis à logo EPL. J'ai déjà eu ici. Et les gars, je vous conseille tellement de faire ces trucs. Si vous gagnez plein de points, vous gagnez là 300, 200 points réservistes. Là, ça fait déjà 400 points TOTS normal, 300 points réservistes aussi, ça fait déjà. Et ça fait 300, 450 points TOTS. C'est énorme. Plus 3 packs réservistes. X 2. Fois 2, du coup, vous êtes à 600 points réservés. Vous pouvez ouvrir deux packs et vous avez déjà 900 points. Et vous êtes bien, hein? 900 points, c'est déjà ça. Et jeton réserviste, moi là, j'en ai.
J'en ai combien? Deux, et je garde tout pour la Liga, parce que je vais vous montrer après ce qu'il y a dans la Liga, mais il y en a des joueurs intéressants. Du coup, ici, déjà 2 sur 6, il restera. Il reste Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1. Ah ouais. Du coup, il n'y aura pas. Attendez 2 minutes, je vous retrouve dès que je vous montre la Liga Santander. Du coup, les gars, regardez qu'il y a. Il y a du Messi, du Suarez, du Varane, du Benzema, du Griezmann, du Ramos, du Oblak. Désolé si vous entendez le bruit derrière, son petit frère qui écoute de la musique. Du Cazorla, du Ter Stegen, du Fekir, du Kroos, du Lucas Pérez, Ocampos, Berchiche, Carlos, Odegaard, Parejo, Merino, De Jong, Carvajal. Il y a aussi un Reguilón qui est dans les SBC Tots, mais il n'y aura pas du coup sur FIFA Mobile. Ou peut-être si, ils vont le rajouter, si, ils vont le rajouter. Il y a Saoul aussi, j'avais vu. Mais si moi je voudrais me faire, il y a Varane qui m'intéresse, Ramos, Oblak s'il est meilleur que Casillas peut-être. Vraiment, je sais pas du tout, je pense garder Casillas quand même. Du coup, Varane, enfin, je verrai pendant un POTM qui est demain, je verrai si Casillas est meilleur. Et je ferai peut-être un live pour un POTM, ça vous plaît, dites-le moi si vous voulez un live pendant ma POTM. Du coup, Varane, ouais. Ce qui m'intéresse, du coup, Varane, Griezmann à la place de Nakajima, ça j'espère. Varane à la place de Nacho. Ramos à la place de mon Ramos. Kroos à la place de Arthur. Cazorla manque de vitesse. Ah non, il a de bonnes stats là. Pourquoi pas un milieu quoi. Odegaard. Ouf, intéressant Odegaard si je pourrais le prendre. Ce serait grave intéressant. De Jong. Ah, je le voudrais tellement. Un milieu Kroos De Jong ou bien un milieu. Avec déjà Kroos De Jong ou bien Odegaard ou quoi. Et Parejo. Ah, Parejo, il m'intéresse lui aussi. Carvajal. Non, vu que je joue avec trois défenseurs. Du coup, voilà les gars, ça va être la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était GMGNO. Allez les gars, ciao. Peace.